I'm wondering what you got for me. Egyptian currents out to be my lady only. I asked you for the time. You got the damn right. What? Everything you do gives me butterflies. Poisson d'avril! Tu n'attendais pas ça. Et poisson d'avril, vous aviez cru qu'on n'allait pas poster de vidéo cette semaine? Et en fait si, on a juste attendu 2 jours pour pouvoir la poster le 1er avril et faire une blague. Pourquoi on a fait une vidéo de sac à tarte? Pour avoir plein de vues. Exactement. Parce qu'on s'est dit que c'est là que les gens nous attendraient pas du tout. Parce que ben, nous on trouve que c'est pas très tendance. Sac à tarte. Les sacs à cake, les sacs à pizza, les sacs... Non, on n'a rien contre les sacs à tarte, c'est juste que... bah c'est pas de notre génération, nous quand on achète une tarte, il y a une boîte qui l'avait. C'est vachement condescendant, on sait bien que c'est pour les tartes qui sont faites maison, tout ça, tout ça. C'est juste que ça nous fait rire en fait, juste un sac à tarte nous fait rire. Mais en même temps c'est un truc qui est vachement accessible aux débutants. Et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont envie d'apprendre à coudre un sac à tarte. Donc on... Qui adorent faire des tartes. Qui adorent faire des tartes. Et qui adorent des sacs. Du coup on se dit... Mais c'est un match. On voulait faire une vidéo un petit peu décalée pour le 1er avril. Vachement mode, vachement edgy. Et on s'est dit quoi de pas mieux qu'un sac à tarte pour le faire avec ça. Et on a trouvé que ça collait pas mal parce que ça nous a fait vachement rire. Donc on a fait un appel sur Instagram. Et du coup on a fait cette vidéo avec Odd qui a gentiment accepté de participer à cette vidéo. Et qui a fait exactement tout ce qu'on lui a dit, les yeux fermés. On s'est vachement marré pour cette vidéo, on espère que tu t'es vachement marré aussi. On te fait des gros gros bisous pour ça. La semaine dernière on a posté une photo du tissu sur notre compte Instagram en vous demandant qu'est-ce que vous pensiez qu'on allait réaliser avec ce tissu. Et il y a quelqu'un qui a deviné. Donc c'est Oumi le fait à la main qui a deviné ce qu'on allait coudre un sac à tarte. Et du coup on a paniqué, on a arrêté de répondre aux gens. Parce que d'habitude vous trouvez jamais ce qu'on va coudre. Le tissu d'ailleurs c'est un tissu qui vient de chez Pretty Mercery. C'est un coton motif Vichy rouge. Et c'est un tissu dans lequel il y a un petit peu d'élastane. Donc voilà, super qualité, super agréable à coudre. Merci beaucoup Pretty Mercery. On fait des gros bisous aussi à Margot qui est venue sur le tournage pour nous aider à faire l'assistante et qui nous a aidé à faire le maquillage aussi. Margot elle a posé pour nous dans une vidéo si vous vous en souvenez. C'était le top à volant, si vous voulez la revoir on vous laissera un lien juste ici. Voilà, on espère que ça vous a pas trop fait chier d'attendre pendant 2 jours pour voir cette vidéo et que vous vous êtes marré autant que nous en la voyant. Et on vous laisse avec le tuto. Du coup, pour ce sac à tarte, il vous faudra moins de 2 mètres de coton ou de n'importe quel tissu rigide que vous trouvez. Alors pour commencer, découpez 2 rectangles de 70 par 37 cm et 2 petites poignées de 35 par 10 cm. Du coup, les mesures qu'on vient de vous donner, c'est pour un plat à tarte qui fait à peu près 30 cm de diamètre. Ouais, je sais, c'est un tuto couture et c'est moi qui fais la voix, ok. Désolé si vous comprenez rien. Oh, on est mal barré là, hein. Alors du coup, vous prenez les 2 petits rectangles que vous avez coupés pour les poignées et pour les former, vous allez juste plier les rectangles en 2 et vous allez les coudre sur le long côté à 1 cm. Waouh. Et ensuite, attention, réservez à peu près 4 heures de votre temps pour retourner les 2 poignées. Ensuite, on va attacher les poignées à un premier rectangle. Pour ça, vous vous mettez un repère à 10 cm de chaque côté, le côté de 37 cm si on ne s'est pas compris. Vous posez votre poignée vers l'intérieur du rectangle, contre les repères évidemment, et ensuite vous épinglez. Vous faites la même chose de l'autre côté et ensuite vous piquez à 0,5 cm. Ouais, on y arrive, waouh ouais, wow. C'est presque comme si c'est moi qui l'avais fait. Ensuite, rien de plus simple, on met le deuxième rectangle par-dessus et on va aller coudre tout autour à 1 cm, mais attention, surtout on laisse une ouverture plus ou moins de 10 cm, c'est vous qui voyez selon ce que vous préférez, pour pouvoir ensuite retourner le sac à tarte. Nous évidemment, comme on est un peu tête en l'air, on a mis des épingles pour pas oublier qu'il fallait laisser un petit trou. Et surtout, si vous avez peur, vous n'hésitez pas à faire un aller-retour sur les poignées pour que ça tienne bien. Comme ça, pas de problème lors du transport de cette magnifique tarte. Une fois que ça c'est fait, vous allez dégarnir les angles et puis vous retournez. Waouh. Vous n'hésitez pas à pousser les angles avec un stylo ou des ciseaux, mais en faisant très très attention parce que sinon ça va vraiment vous prendre la demi-journée pour le faire. Faire attention, c'est pour les ciseaux quoi, vous trouvez pas le sac. Enfin, sinon c'est un peu relou quoi. Ensuite, vous repassez et vous allez surpiquer à 0,5 cm du côté des poignées. C'est ce qu'il y a écrit sur mon papier, ok.
Vous regardez la vidéo et c'est très clair. Ah là là. Ensuite, vous marquez le milieu du sac avec une épingle et vous rabattez les côtés où il y a les poignets vers le centre. Comme vous pouvez le constater, nous, on a laissé une ouverture. C'est pour juste que ce soit plus facile à enfiler après à l'intérieur, quoi. Le moule à tarte qu'on a est assez imposant, donc on s'est dit que ce serait plus pratique. Voilà, mais vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez pas faire de petit écart, vous le faites pas. Ensuite, vous piquez le haut et le bas à 1 cm pour créer le sac, mais aussi pour fermer la petite ouverture. Et sans trop m'avancer, je crois pouvoir dire que votre sac à tarte est fini. Mais waouh! Vous pourrez enfin aller chez mamie, tout fier avec votre petite tarte. Si la vidéo elle vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser aussi des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir pour nous dire qu'on est merveilleux. Du coup, si vous voulez voir ou revoir notre magnifique vidéo sur comment faire un triangle bag avec un magnifique lin de chez Pretty Mercerie, cliquez ici. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Sinon, Antoine et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Wouhou!